Salut l'équipe, c'est Jisan et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau build de cosplay. Et pour celui-ci, je suis parti sur du My Hero Academia avec Inasa Yoarachi, la pépite de l'examen pour les licences provisoires. Souvenez-vous, c'est celui qui avait une dent contre Choto Todoroki et qui nous avait tous impressionnés par sa gestion du futon, enfin de son alter du vent, vous avez compris? J'ai toujours voulu faire son build et encore plus depuis l'arrivée de Paekwan. Donc aujourd'hui, nous y voilà, on va commencer les builds My Hero Academia en commençant par lui. Déjà, pour commencer, on est sur le BG Merusu, mon Saiyan équilibré qui a du coup 125 en santé, super frappe et super kikua. Un dispatch que vous avez l'habitude de voir maintenant sur ma chaîne. Pour la QQ Bang, on est sur celle-ci qui va me donner un plus 5 en santé pour renforcer ma tankiness. Un plus 5 en ki et en endurance pour que je puisse avoir 7 barres de chaque et un plus 5 en super frappe pour booster mes dégâts super frappe tout simplement. Et je rappelle que cette QQ Bang est dans la vidéo des meilleurs mélanges que j'ai pu faire. Une vidéo tuto pour vous aider à craft des QQ Bang similaires aux miennes et qui est toujours disponible sur la chaîne si vous en avez besoin. Pour la super arme, je suis parti sur Merci les Dragon Ball, une des meilleures super armes du jeu qui va me rendre de la santé, du ki et de l'endurance à la première utilisation d'une technique ultime. C'est pour moi la meilleure super arme quand tu veux enchaîner deux techniques ultimes sur un build. Et c'est justement ce qu'on va tenter de faire aujourd'hui avec ce build, vous verrez après. Et pour l'obtention de la super arme, c'est auprès de Oob ici que ça se passe. Pour les techniques, je suis parti bien évidemment sur l'hyper tornado de Paekwan. Elle colle beaucoup trop bien à son alter du vent et elle s'obtient dans la quête parallèle 143. Le point jaillissant de Migaté, qui est un petit peu un délire de vague de futon, hein. On va venir fondre l'air avec nos coups. Bref, vous avez capté le délire. D'ailleurs, je viens de capter que le point jaillissant est un petit peu une référence à la technique que Goku avait utilisée contre Shishi pour l'éliminer du Tenkaichi Budokai juste avant de l'embarquer pour lui foutre Gohan dans le bide. Mais bref, pour obtenir cette technique, c'est à la boutique pétée que ça se passe. Si elle n'y est pas actuellement, attendez, elle finira par revenir. En tout cas, c'est là-bas que j'ai pu l'obtenir. J'ai toujours la charge explosive comme d'hab pour les builds de PVP, vu qu'elle permet de récupérer du ki extrêmement vite et elle s'obtient dans la quête parallèle 134. Puis en dernière spé, l'uppercut puissant. Je trouve que cette spé fait bien, genre coup de poing enrobé de futon, donc ça pourrait facilement correspondre à son alter, je trouve. Puis vous verrez que ça combote parfaitement bien avec l'hyper tornado. Et cette spé s'obtient dans la leçon numéro 1 de Dodoria. En ultime, j'ai mis le météore de la mort de Freezer. On va balancer des rochers sur nos adversaires. Donc encore une fois, ça colle parfaitement bien avec son alter et elle s'obtient dans la quête experte numéro 7. Puis en seconde ultime, la destruction symphonique de Whis. Un gros balayage à coups de tornade. Bref, vous avez capté le délire et elle s'obtient dans le dernier entraînement de Whis. En transfo, le potentiel éveillé et la garde disparue en évasion. Donc voilà. Des techniques très simples, des techniques de futon du jeune Inasa Yoarachi. D'ailleurs, d'autres builds sur l'univers de MHA sont prévus. Ne vous en faites pas, donc restez à l'affût sur la chaîne si vous voulez en voir plus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci et bienvenue à ceux qui rejoindront la G-Squad. Laissez un jeune like si vous kiffez MHA et que vous voulez d'autres builds sur cet univers. Et moi, je vous laisse avec ce magnifique Inasa Yoarachi en combat et en musique. Et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao. Yeah.
Thank you.